14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio et je vous propose un petit tour d'horizon sur ce que nous apportent les nouvelles technologies, non pas en général, hein, on va rester dans notre domaine, dans le domaine amoureux et sexuel. Alors déjà, je reconnais que lorsque les amants sont séparés par une grande distance, eh bien, grâce au Zoom par exemple, il est possible d'échanger beaucoup mieux qu'avant, hein, donc ça c'est déjà un très bon point. Et puis évidemment, il y a également les différents moyens de rencontre qui sont nettement plus nombreux et c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai déjà entendu un témoignage de quelqu'un qui avait rencontré son voisin par un site de rencontre. Alors comme quoi, hein, tout est possible. Et puis on va évoquer aussi les nombreuses avancées en ce qui concerne les jouets intimes. Notre invitée aujourd'hui, c'est Flore Chéry. Elle étudie tout ça de très près et elle pourra nous en expliquer beaucoup de choses. Et puis, je lui ai demandé aussi de se renseigner pour qu'on parle de ces fameux robots sexuels, parce que c'est vrai qu'on en parle. Est-ce qu'ils sont réellement au point? Ça, c'est pas si sûr. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait envie de faire l'amour avec un robot? Bon, moi, je crois pas. Hein. En tout cas, je sais que les Ruelle Dolls se vendent beaucoup au Japon. C'est pas vraiment le cas en France. Mais bon, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr, et vos questions, vos témoignages, c'est au 0826 300 300. En programme du jour, notre devise: être créatif, ça commence par un acte simple. En love conseil, on retrouvera le plaisir d'écrire. En sexo, on évoquera la conciliation entre le sexe et l'amour. Et 3 minutes pour convaincre, le débat du jour, c'est: un robot sexuel, c'est mieux que la prostitution? Pour ou contre? On verra ce que nous en disent les auditeurs. Flore Chéry, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors les auditeurs vous connaissent bien puisque pendant 2-3 ans, vous nous avez fait une petite chronique tout à fait intéressante justement, notamment beaucoup sur la sexo, sur la sexualité. Vous êtes cofondatrice du site mysweetfantasy.com avec Arthur Vernon, hein, où vous permettez à différents de personnes de réaliser un fantasme. Et vous avez créé aussi ce bar à fantasmes que beaucoup d'auditeurs connaissent bien, qui se trouve dans le deuxième. Et vous êtes également autrice de nombreux ouvrages. Vous travaillez aussi en tant que journaliste à Union.fr. Bref, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, en tant que journaliste, pour comprendre un peu mieux la sexualité. Alors, Petit point de vue sur les nouvelles technologies et la sexualité. Gros point de vue même sur l'impact des nouvelles technologies. Pour moi, il est déterminant et il change notre vie intime et notre vie affective sur des niveaux qu'on n'imaginait pas forcément et à une vitesse extrêmement rapide. Ces nouvelles technologies, elles peuvent parfois créer de la friction entre les générations, entre ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies et ceux qui ne le maîtrisent pas. Ça crée aussi parfois des malentendus dans les couples, entre ceux qui acceptent, par exemple tout bêtement, un sextoy qui va venir dans le couple et ceux qui ne l'acceptent pas. Donc ça change le monde très rapidement et je trouve ça essentiel de mieux comprendre à quels endroits la nouvelle technologie modifie nos rapports. Alors, pour, contre, qu'est-ce que vous diriez de pour et de contre, hein? Je ne vous demande pas votre avis, évidemment, parce qu'il n'y a pas... Pour, on est dans un moment où on n'a jamais autant facilement pu parler de sexe et des problèmes sexuels. Je prends juste un exemple, MeToo. MeToo, ce ne serait pas possible sans Twitter, donc sans les réseaux sociaux qui permettent aujourd'hui d'exprimer très facilement un ressenti. Et on a vu aussi plein de comptes grandir, émerger et vulgariser plus facilement des discours autour de la sexualité. Donc toutes les technologies de communication ont permis une meilleure éducation, un meilleur renseignement aux informations sur la sexualité. Ils ont permis aussi le porno, qui peut être positif dans un certain cas, négatif dans un autre, donc qui ont aussi uniformisé d'une certaine façon nos sexualités. Et puis ces nouvelles technologies, elles ont permis de se rencontrer totalement différemment. C'est-à-dire qu'avant, on allait peut-être au bal du village, on mettait sa plus belle robe, et puis on avait une soirée pour tout donner. Aujourd'hui, on devient presque un produit marketing, donc on doit maîtriser comment on met sa photo, quel wording, donc quel texte, quel mot on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on veut raconter de soi, et puis on séduit de plus en plus par l'écrit, par des petites phrases, virtuellement. Donc il y a ceux qui arrivent à maîtriser tout ça, et puis il y a ceux qui sont laissés sur le banc de touche parce que ces technologies, elles sont difficiles à appréhender.
Et donc, ils se sentent encore plus isolés qu'avant. De toute façon, la relation à l'autre a énormément changé depuis 50 ans. Donc, c'est normal que certaines personnes aient du mal à s'y retrouver. Alors, vous parliez de la pornographie. Bon, malheureusement, les nouvelles technologies permettent aussi à des enfants de voir des images pornographiques. Ça, c'est quand même une chose qui est difficile. Et il faut que les parents soient vigilants. Hein. Je crois que c'est bien de donner cette information. Alors, les jouets intimes aussi, il y a des jouets connectés, enfin c'est fou. Oui. Moi je le vois même depuis 10 ans, ça a encore énormément bougé. Alors sur les jouets intimes, c'est quand même un objet qui est très vieux. On en trouvait des premiers Olisbos il y a des millénaires. Donc ce que j'aime beaucoup dans le jouet intime, c'est que c'est un objet qui est protéiforme. Quand on dit un sextoy, on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un rabbit? Est-ce qu'on parle d'une vaginette? Est-ce qu'on parle d'un canard vibrant? On ne sait pas quelle forme ça a, on ne sait pas si c'est doux, chaud, pénétrant, pénétré, mouillé, pas mouillé, parce que c'est un objet qui a énormément évolué avec les années et donc énormément évolué avec les nouvelles technologies. Je dirais que la technologie la plus récente qui a vraiment changé le monde, c'est la création de l'air pulsé avec le Womanizer qui est apparu en 2014, qui a été adopté par des millions de femmes à travers le monde. Et je vais vous donner juste un chiffre. Depuis 2020, on a dépassé la barre des 50% des Français qui ont un sextoy à la maison, sachant qu'on était près de 7% au début des années 2000. Donc il y a eu vraiment, en 20 ans, une envolée du sextoy et c'est devenu presque un objet du quotidien, comme une brosse à dents. Et il paraît que l'augmentation de vente, c'était pendant le Covid. Pendant le confinement, vous avez tout à fait raison. Il y a eu cette envie d'avoir du temps pour soi et de redécouvrir son corps. Et donc, il y a eu beaucoup plus d'achats au moment du confinement. 2020, on passe la barre des 50% des Français qui ont un petit sextoy à la maison. Voilà, et trois quarts du temps, c'est plus acheté par Internet que dans un love shop, même si les love shops aujourd'hui ne s'appellent plus des sex shops. Enfin... Oui, alors voilà. Il y a aussi le marketing qui s'en est mêlé, vous avez raison. Sex shop, on a oublié un petit peu cette terminologie parce qu'elle a été basée sur un marketing à destination des hommes. Donc avec des objets très réalistes et souvent des packagings avec des femmes un petit peu dénudées. Et puis les sextoys ont beaucoup évolué. Il y a eu un marché féminin qui s'est développé, notamment avec le Hitachi dans les années 70-80. Et donc on s'est dit, les sex shops, on va peut-être oublier la cible masculine, on va peut-être l'oublier et on va plus s'orienter vers les couples et les femmes. Et donc on est passé de sex shop à love store, qui est dans une... Bon, c'est une terminologie marketing, mais ça raconte aussi beaucoup des objets qui sont vendus, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas explicites, qui sont souvent très mignons, très doux, avec des petits canards, des petits lapins, des petites chenilles. Et puis un marketing qui est fait pour faire durer le couple et non pas satisfaire la misère masculine. Voilà, donc tout ça est dit. Et puis, je voulais juste comme ça évoquer l'éventualité de robots sexuels. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir chez soi, non pas une poupée gonflable ou un Ken gonflable. Mon lapsus est intéressant. Non, tous les hommes ne ronflent pas, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas trop. Vous y croyez ou pas, vous, Fleur Chérie? Alors, moi, j'y crois pas non plus. Et pour la simple et bonne raison que ça marche un petit peu au Japon. Mais alors, en France, on a un rapport un petit peu différent aux objets inanimés. Et notamment, il y a un concept qui s'appelle la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, ça a été développé dans les années 70 par les Japonais. Et en fait, ça explique que tout ce qui est humain, mais qui n'est pas exactement humain, intuitivement, inconsciemment, on va trouver ça bizarre, on va trouver ça angoissant même, et ça va pas du tout nous attirer. Donc dans le cadre de l'intime, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin de se sentir bien, et finalement tout ce qui est réaliste, on a envie de le mettre à distance. Et on le voit très bien dans les sextoys aujourd'hui. Les vrais sextoys réalistes, avec les veines, avec la bonne couleur de peau, etc., on a un côté un peu cringe, un peu étrange par rapport à ça. Alors que finalement, un petit canard vibrant rose, on va se dire « Ah, c'est plus mignon, c'est ça, je vais m'en servir pour mon intimité. » Ça s'appelle la vallée de l'étrange et ça montre que finalement, je ne suis pas sûre que les robots humanoïdes vont avoir un avenir dans les 10, 20, 30 prochaines années. Déjà, ça prend de la place. Ça prend de la place aussi. Non, mais est-ce que là où vous avez raison, on le voit bien dans les jouets, c'est des couleurs toujours un peu flashy, on est très loin
moins des godemichés d'il y a 30 ans où en effet c'était couleur peau avec, vous avez raison, des veines, soit dit, enfin ça devait ressembler le plus possible à un pénis, alors qu'aujourd'hui on est très loin. On est très loin de tout ça et c'est pas ça qui a fonctionné finalement. Oui, bien sûr. Et les real dolls qui marchent au Japon, c'est très très spécifique du Japon. Je crois. C'est très spécifique du rapport du monde asiatique de façon générale aux objets inertes, parce qu'il y a la croyance qu'un objet inerte comme un caillou ou un arbre peut avoir une âme, peut avoir une vie. Nous, dans notre tradition occidentale, on a beaucoup plus de mal à le percevoir et on va percevoir la vie à travers le mouvement. Donc dès qu'on a un robot qui ne fait pas exactement un mouvement humain, ce qui est très difficile à reproduire en réalité, on va toujours avoir un sentiment d'étrangeté et on va toujours avoir tendance à repousser le robot. Alors, une autre chose négative des nouvelles technologies, on n'en a pas parlé, mais je crois qu'il faut le signaler quand même, puisque on en fait parfois une émission avec Samuel Comblage, justement, c'est le revenge porn, etc., ou même les sextos à caractère graphique, non sollicité, harcelant, etc. Oui, ça a été une des incivilités, je vais le mettre dans le gros, voire des agressions sexuelles, mais des incivilités de façon générale qui a été développée très rapidement avec le monde virtuel et le monde digital. Dedans, on peut mettre de façon moins agressive le ghosting. Et puis de façon générale le rapport au mensonge et à l'effort où c'est beaucoup plus facile de mentir ou de faire très peu d'efforts, par exemple quand vous envoyez plein de copier-coller à plein de gens différents en leur faisant croire qu'il y a une intimité particulière, oui, ça crée des incivilités supplémentaires par rapport au monde d'avant. Il y a aussi le stalking où on peut maintenant aujourd'hui surveiller ce que vous faites un petit peu plus dans votre vie. Donc oui, le monde digital a aussi n'est pas tout rose. Oui, aussi on créé, peut mettre un traceur sur le téléphone. On peut espionner son conjoint beaucoup plus facilement. Et puis même de façon plus large, on peut avoir accès aux données personnelles de quelqu'un de façon beaucoup plus facile aujourd'hui si on est un peu bon en informatique. Donc ça pose beaucoup de questions, et les nouvelles technologies. Et donc, il faut faire attention de ne pas laisser traîner son smartphone si on a des choses à cacher, par exemple. Bon, bref, maintenant, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300 et vous pouvez poser des questions à Flore Chéri qui est, je vous le rappelle, un peu spécialiste de la question. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et nous sommes aujourd'hui avec Flore Chéri, journaliste à Union.fr, autrice de plusieurs ouvrages et également créatrice de ce Sweet Paradise dont on parle souvent et qui se trouve dans le deuxième, ce bar à fantasmes, légèrement libertin, mais on en parlera peut-être tout au long de cette émission. On va revenir sur les sites de rencontres, je crois, avec vous, Mathias. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Mathias. Donc vous avez essayé... Non, oui. C'est nous. C'est nous. Vous avez essayé les sites de rencontres et vous n'êtes pas fan, hein, je crois. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout fan des sites de rencontres, que ce soit les classiques ou libertins, parce que je suis libertin. Je me suis déconnecté de ce genre de choses, parce que c'est... on est dans un monde d'hyperconnectivité, et l'hyperconnectivité fait de l'hypo-communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. C'est joli, votre formule. Oui. Oui, elle est jolie. Oui, parce que malheureusement, tout est un cliché. Et pour moi, le monde actuel ne se base que sur un instantané donné. C'est-à-dire on ne montre qu'une phase d'un instant T. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ils s'en foutent. Et puis, de toute manière, ça ne sert pas à grand-chose. Mais moi, qui suis plutôt branché à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la façade, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, beaucoup de libertins fonctionnent beaucoup avec les sites, les sites de rencontres, enfin en tout cas pas avec moi, Internet. Plus du tout maintenant. Et disent que ça permet de faire des soirées privées, ça permet d'échapper au côté. Quand on a son réseau, on n'a plus besoin. D'accord. Mais parce que vous êtes vous êtes un homme seul sur les applications de rencontres libertines. Moi, j'ai été en couple, je suis en trio établi. Je peux y aller en homme seul, je rencontre à trois, je peux rencontrer tout seul, mais ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'aime bien connaître les gens avec qui je vais faire des choses ou pas, et de ne pas savoir, entre guillemets, de ne pas connaître ces gens-là, me met dans l'inconfort. Donc, c'est juste pour faire du...
du fast sexe comme du fast food, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais on peut rencontrer quelqu'un et puis prendre le temps de le découvrir, Mathias. Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis dans le milieu depuis très longtemps. J'ai fréquenté un bon nombre de femmes. Mais aujourd'hui, les approches et la mentalité qui est en train de se dégager du siècle de l'hyperconnectivité me dérange. Parce que l'essentiel, on est en train de passer à côté. Est-ce que c'est parce que les gens ont un désir extrêmement précis dans leur tête et si vous ne rentrez pas dans cette case-là, alors vous passez à côté de la rencontre ? Est-ce que vous pensez que c'est ça ? Pas du tout, pas du tout. Les gens ne prennent pas le temps de connaître l'autre. On s'attarde à un instant donné. C'est comme si vous vouliez en fait prendre un cliché en photo. Vous avez un cliché d'un instant donné et vous ne voyez pas ce qui se passe avant ou après. Et est-ce que ce n'est pas le principe du libertinage aussi ? De pouvoir rester anonyme, d'avoir un masque et que justement les gens ne connaissent pas tant que ça notre vie privée, pas d'avant, pas d'après. Et ce qui compte finalement, c'est l'hédonisme sur le moment. Il y en a, mais moi, non. Oui, mais parce que Mathias, moi je me souviens, quelqu'un m'avait expliqué, j'avais trouvé ça assez intéressant, m'avait dit, moi je suis libertin parce que comme ça, on baise d'abord et puis après, si on a des choses intéressantes à se dire, on se revoit, et etc. Oui, il y a ça, mais moi j'aime bien connaître les gens avec qui vous préférez... je vais m'envoyer en l'air ou pas. Quoi. D'accord, mais donc c'est assez, Flore chérie a raison, c'est assez contraire avec le libertinage. Le libertinage, on baisse quand même d'abord et on discute après. Enfin, Oui, mais moi, disons que comme j'ai mon petit cercle, vous libertinez entre vous. Vous libertinez entre vous, donc. Voilà, je vais toujours où je vais, je sais toujours où je vais. On a les limites qu'on a envie de se fixer, alors que lorsqu'on rencontre, on n'a pas du tout, moi personnellement, je m'éclate beaucoup moins sur les gens que je vais... Et j'ai eu fonctionner comme ça à la rencontre d'un soir. Moi, donc pour rentrer dans votre cercle, il faut montrer patte blanche. Ben disons que ouais, faut que je connaisse, faut que voilà. C'est puis moi j'ai des gens que je connais, c'est des gens que je côtoie depuis plusieurs années, et il y a autre chose que juste s'envoyer en l'air quoi. Oui, parce que vous ne cherchez pas forcément un fantasme, mais avant tout des amitiés libertines que vous allez pouvoir conserver sur le long terme, c'est ça? Ben, c'est des amitiés que j'ai déjà. J'ai même des amis qui sont devenus libertins parce que c'est moi qui les ai initiés. Mais moi, je cherche des relations plutôt vraies qu'un cliché donné d'un monde hyper connecté, mais en manque de communication. Parce qu'aujourd'hui, essayer d'adresser la parole à un homme ou une femme, c'est tout de suite, on prend ça comme une agression, comme... il n'y a pas un minimum d'échange. Et moi, ça me fatigue, ça me gêne. Mais Mathias, on a un peu envie, enfin moi en tout cas, j'ai un peu envie de vous dire que derrière tout ça, ça cache une peur. Non, c'est que j'ai pas envie de l'inconnu, oui. Oui. Non, j'ai pas envie de futilité. Le mot futilité, mais on pourrait mettre le mot inconnu. D'ailleurs, Flore Chéri l'a dit en même temps que moi. Oui, je n'aime pas. Parce que ça rassure d'avoir des amitiés, des gens que vous connaissez, qui ont déjà des limites, qui vont respecter les vôtres peut-être, ou vous connaissez les limites des autres, donc c'est plus rassurant. Et je peux tout à fait le comprendre. Oui, c'est plus rassurant, mais aussi il y a autre chose. Il y a l'aspect humain qu'on n'a pas. Oui, mais Mathias, j'entends très bien ce que vous dites, et je crois que beaucoup de... Et merci de ce témoignage, parce que je pense que c'est ça aussi, les nouvelles technologies. C'est que ça peut faire peur, parce que ça vient d'on ne sait où, on ne sait qui, on ne c'est quoi ? Tandis que, c'est une arme à double tranchant, c'est comme une épée, pareil. l'épée, elle est surtout tranchante, me semble-t-il quand même, Mathias. Oui, mais c'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté médical, il y a la poignée, le manche, il faut le tenir par bien, le manche. Et un côté pas bien. Non, mais votre témoignage, merci, parce que je trouve qu'il illustre assez bien ce qui peut faire peur à beaucoup de gens. Et donc, pour démarrer cette émission, franchement, merci de notre échange, Mathias. Merci à vous. Avec plaisir, Brigitte.
Mais je vous en prie, non, plaisir partagé donc. Allez, on se retrouve dans un instant et on va évoquer de retrouver le plaisir d'écrire justement. Évidemment, hein, on n'écrit plus sur nos smartphones, on écrit par petits mots. Tandis que parfois, c'est pas mal d'écrire. Allez, on se retrouve dans un instant et puis vous pouvez réagir vous aussi sur Sud Radio. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil. Nous sommes aujourd'hui avec Flore Chéri et nous évoquons les nouvelles technologies, avantages, inconvénients. Vous pouvez témoigner, bien sûr. En Love Conseil, je vous propose de retrouver le plaisir d'écrire. C'est vrai que s'inventer une correspondance imaginaire entre deux amants, ça peut être tout à fait intéressant. Et c'est le Love Conseil que je vous propose aujourd'hui. Si vous vivez en couple et que vous êtes tous les jours face à face, vous pouvez aussi jouer à ce jeu, au rythme, bien sûr, qui vous convient. Chacun votre tour, vous allez écrire une lettre à votre amoureux et dans la lettre, vous allez inventer des détails, des mots d'amour, des souvenirs et puis ensuite, l'autre vous répond et vous avez la possibilité d'inventer une autre histoire et plus vous oserez donner des détails qui ne sont pas ceux de votre vie, plus vous allez vous ouvrir à cet imaginaire justement, pas seulement érotique, hein, on peut s'inventer une seconde vie et c'est étonnant comment ça va créer une complicité totalement nouvelle entre vous. Alors je conseille de ne pas trop vous parler de ce que vous allez écrire, mais de vous fixer par exemple un délai pendant 2 mois au rythme d'une lettre chacun par semaine. Et au bout de ces 2 mois, vous allez pouvoir ensemble, à ce moment-là, communiquer de cette correspondance qui aura eu lieu. Et vous allez voir que, sans vous en rendre compte, votre imaginaire va s'améliorer au fil des 2 mois. Et vous allez être surpris aussi de l'imaginaire de l'autre. Et c'est là où on se rend compte, et je crois que c'est vraiment le principe de ce Love Conseil, comment on croit qu'on connaît l'autre et finalement on ne le connaît pas tant que ça, puisque son imaginaire va nous surprendre. Oui, puis surtout, c'est une autre temporalité de passer par l'écrit, de passer par la lettre. C'est autre chose que d'avoir des conversations de vive voix. Donc, je pense que ça peut vraiment enrichir un couple. Voilà. Mais il faut jouer le jeu hein, jusqu'au bout. Hein. Si vous avez peur que ça dure trop longtemps, 2 mois, faites-le que sur 15 jours ou 3 semaines. Mais il faut vraiment jouer le jeu. Alors, nous avons Marie maintenant qui est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour. Bonjour. Flore qui est avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes dans une relation à distance et merci les nouvelles technologies, c'est ça, Marie ? Oui, c'est ça. On les remercie pour déjà le côté rapprochement de par nos métiers. On est, on va dire, les 3/4 de l'année en relation à distance. Donc, ça nous permet de nous retrouver, de pouvoir échanger, alors effectivement, sur le quotidien, mais également sur le plan de relations intimes. D'avoir des connexions, des moments de partage grâce à la technologie et de pouvoir, on va dire, se prévoir des petits rendez-vous coquins le soir ou sur des week-ends, par exemple, quand on passe l'un éloigné de l'autre. Donc, vous correspondez par Zoom, c'est ça ? Alors, nous, on fonctionne par WhatsApp essentiellement. WhatsApp, d'accord. Voilà. Oui. Et effectivement, donc, que ce soit par téléphone, par lien interposé, on va dire écrit, mais on est aussi assez adepte des vocaux, des messages vocaux et également des appels vidéo. De se voir donc par WhatsApp. Voilà, exactement. Et c'est coquin, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous masturbez tous les deux ? Ça peut arriver, oui. C'est vrai. Il n'y a pas de planification, entre guillemets, du moment. Quand on s'appelle, on ne sait pas forcément dans quel mood, comme on pourrait dire, dans quel état d'esprit est l'autre en face du téléphone. On ne se prévoit pas forcément des appels. C'est vraiment... comme bon nous semble et quand l'un et l'autre on a terminé la journée et effectivement on se cale des moments qui peuvent effectivement dériver où il peut y avoir un peu d'échange un peu plus chaud que le racontage de journée quotidien, voilà. Et on le sent dans votre voix que c'est en effet excitant et stimulant. Ah oui, beaucoup. Et ça nous permet de partager parce que du coup le reste de l'année où on se voit pas, il y a peu de partage de liens physiques, d'échanges de caresses ou de choses qui pourraient nous stimuler autrement.
Donc la voix stimule beaucoup, et ensuite les échanges effectivement de gestes, l'un sur l'autre, on va dire, enfin, l'un chacun sur soi en fait, pour échanger avec l'autre. Oui, et puis on pourrait dire, bon, la voix, il y avait le téléphone avant, mais l'avantage du smartphone, c'est qu'on l'a avec soi, on n'est pas avec un téléphone fixe. Et puis, il y a quand même, vous l'avez dit, il y a le visuel qui s'ajoute à ça. Oui. Justement, sortir de cette temporalité du rendez-vous téléphonique, est-ce que vous lancez parfois des petits défis érotiques à faire dans la journée à un autre moment que vos rendez-vous? Non, alors parce que malheureusement on n'a pas des emplois du temps professionnels qui nous le permettent. D'accord. Et puis l'avantage des appels, c'est ou des vidéos ou des lancements de sujets un peu plus coquins, c'est qu'ils sont pas prévus. On va vraiment s'appeler sur le qui-vive en se disant ben là j'ai envie de partager ça avec toi, là je suis dispo, en espérant que tu le sois en échange, et si tu l'es pas, mais je t'envoie un vocal de éventuellement mon plaisir ou de choses qu'on ne peut pas partager sur mon moment ensemble. Mmh. Et c'est tous les deux, c'est parfois vous, parfois lui, ou c'est oui. Plutôt l'un ou l'autre? Non, c'est vraiment équitable, pas toujours le même timing, mais effectivement, autant en quantité, autant l'un que l'autre, on est en demande de ce genre d'échange, oui. Et vous êtes séparés, enfin vous êtes en relation séparée depuis le début ou... Oui. Oui, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble et que nos métiers font que voilà, on passe une bonne moitié de l'année séparés. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ben, vous maintenez une relation particulière, hein, parce que c'est quand même pas si fréquent que ça. Et ce sera intéressant de voir comment vous passerez à une relation au quotidien, hein, finalement. Oui, parce que le quotidien, les week-ends et les moments où on se voit, c'est sûr que c'est encore plus pimenté, plus intense, plus particulier, oui. Voilà, plus intense. Mais l'avenir nous dira comment on passera l'étape hors travail et avec des objectifs professionnels différents. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience de finalement construire un couple un peu plus uni localement? Alors, ce ne sera pas sur le moyen terme. Donc, pour l'instant, on se satisfait entre guillemets de cette relation et on sait que c'est pour un petit temps donné. Donc, on a quand même acheté une maison. Voilà, on construit notre foyer doucement. Mais on a forcément hâte de voir ce que l'avenir à deux, voire avec une famille, nous réserve. Ça, c'est sûr. Mais chaque chose en son temps et pour l'instant, c'est le moyen peut-être de réconfort qu'on a, de se dire qu'on a toujours nos échanges, qu'on peut se permettre encore encore plus qu'avant des échanges sur le plan. Il me semble quand même que bon, le fait d'avoir acheté ensemble une maison, c'est un engagement très fort et qui en plus est concrétisé matériellement. Donc je pense que votre couple semble être assez. Vous êtes tous les deux très engagés dans cette histoire d'amour. Et peut-être là, Fleur Chérie, oui, le fait de pouvoir vous voir de temps en temps de manière plus coquine crée forcément une relation intime sérieuse. Enfin, ça me semble être un côté très positif des nouvelles technologies. Oui, ça nous peut. Voilà, les nouvelles technologies, pour revenir vraiment au sujet principal, c'est ce qui nous permet de garder le lien et de pas oublier en fait le quotidien d'un couple normal. Donc l'affection, le toucher, la voix. Le toucher. Non, mais ce qui est intéressant, c'est toucher interposé, c'est vrai. Mais on a quand même cette sensation de partager ces choses-là. Donc moi, voilà, le caresser, je peux pas. Il peut pas me caresser. Mais à l'inverse, il se caresse pour moi et me montre ses caresses. Voilà, et ça, c'est l'avantage des nouvelles technologies, c'est-à-dire que peut-être il y a 40 ans, il n'y avait que l'appel téléphonique et le rendez-vous fixe. Et là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a l'effet surprise en plus, c'est-à-dire que parfois c'est un vocal, parfois c'est une photo, parfois c'est un petit mot, parfois ça va venir au téléphone. Et ça, c'est vraiment un des avantages des nouvelles technologies, d'être protéiforme. Oui, et de savoir qu'à tout moment, on peut
se connecter à l'autre. Et ça, c'est aussi les nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est même, j'allais dire, dans votre cas, on sent bien, Marie, que ça vous unit et que ça, c'est plutôt un plus. Mais c'est même parfois un problème, parce que moi j'ai déjà entendu des personnes qui ne supportent pas qu'on ne réponde pas dans l'heure qui suit à leur SMS, par exemple. Oui. Par contre, on est très détaché de ça, justement parce qu'on sait que nos emplois du temps professionnels ne nous permettent pas d'être connectés tout le temps. Donc, c'est aussi ça qui fait le, on va dire, la surprise, la chance, la surprise, voilà, et la chance du moment partagé, c'est que dans toute cette organisation assez complexe, on a quand même réussi à s'échanger. Et même s'il y a une heure de différence et que peut-être mon excitation est redescendue au moment où lui il partage la sienne, et ben j'ai pu lui l'aider par un vocal, hein, j'ai pu l'accompagner par une photo et qu'il ouvre au moment où il est disponible et ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose qui finalement tient dans le temps. C'est pas comme on pourrait croire de la messagerie instantanée. Finalement oui, mais avec une ouverture au moment où il est disponible, disposé, où il en a envie et où il peut le faire. Et de la même chose pour moi. Si exemple voilà, il est disponible plus tardivement et que moi je dors déjà, ben le lendemain matin je vais me réveiller avec un message de sa part qui m'aura expliqué son plaisir de la veille au soir et voilà, ça met dans de bonnes dispositions. Oui, et vous acceptez de pas être totalement toujours disponible l'un à l'autre, parce que c'est ce qu'on entend un petit peu dans la jeune génération, hein, c'est qu'il y a l'immédiateté. Je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, elle m'a pas rappelé. Ça crée de la frustration, bien sûr. Oui, c'est là aussi où on voit les dangers, les deux faces du même phénomène. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que vous êtes engagé, vous avez acheté cette maison, et puis en même temps, recevoir un SMS, ça prouve l'engagement finalement de son partenaire, alors que quand on vit dans le quotidien avec, on ne sait plus trop si l'autre est encore dedans ou pas. Là, vous avez la preuve formelle, tous les jours et quotidienne, que votre partenaire, spontanément, vous a envoyé un message, et c'est assez joli aussi. Oui, puis il n'y a vraiment pas de devoir en fait. On ne doit pas s'envoyer un message, on s'envoie un message parce qu'on est disponible et parce qu'on pense l'un à l'autre et qu'on a envie de se dire telle ou telle information. Mais effectivement, ce n'est plus un devoir de quotidien de dire je rentre, je pars, j'ai récupéré les enfants, j'ai fait les courses ou ainsi de suite, de calquer en fait une réponse à une autre de quotidien. Quoi. Mais est-ce qu'on a l'impression que ça donne comme ça, Marie, quand on vous écoute, c'est que finalement certes, vous voyez moins qu'un couple normal, mais que vous communiquez peut-être plus et mieux surtout. Alors mieux, voilà, peut-être pas plus, peut-être, en quantité je dirais pas plus, mais mieux en tout cas, peut-être plus profondément, oui. Plus on s'arrête à l'essentiel peut-être que de parfois partir sur du futile ou... Parce que ça fait quand même 5 ans, donc au bout de 5 ans avoir encore cette énergie, d'avoir envie de se séduire, oui. C'est quand même pas mal, hein, au bout de 5 ans. Bah, comme quoi, la distance, ça peut aider à créer le désir. Vous en êtes peut-être la preuve. Oui, je confirme. Et oui, parce que ça nourrit le manque, la distance, évidemment. Donc ça nourrit le désir, c'est toujours le même adage, hein, bien sûr. Bien sûr. Mm-hmm. Eh bien, écoutez, Marie, je vous souhaite quand même un jour de vous retrouver dans cette maison. Hein, et ça a l'air d'être de toute façon votre désir à tous les deux. En attendant, ben, maintenez cela, puisque votre lien a l'air d'être solide. Donc, maintenez-le. Merci en tout cas, Marie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Et on fait une petite pause et on retrouve une autre Marie qui va nous parler également d'une expérience, je crois, sur les sites de rencontres. On se quitte un court instant et on se retrouve tout de suite. Vous avez, vous aussi, envie de réagir? Eh bien, c'est facile maintenant, grâce aux nouvelles technologies. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Flore Chéri, que vous connaissez bien, et on évoque les nouvelles technologies, ce qu'elles nous apportent dans le domaine amoureux, parce que là, on a vu avec Marie, c'était vraiment le domaine amoureux, puis peut-être avec Marie qui nous rejoint, c'est peut-être plus le domaine sexuel, puisque vous avez une expérience négative des sites de rencontres, je crois, Marie. Bonjour. Oui, bonjour Flore, bonjour Brigitte. Bonjour Marie. Oui, alors moi, c'est pas forcément mon mode de communication, je dirais, sexuel préféré, parce que, en fait, les expériences sont pas très bonnes.
Sur les sites, il faut arriver à se plaire et je trouve que les hommes trichent. Ils mettent pas la vraie photo, ils mettent des photos plus anciennes où ils sont à leur avantage. Donc déjà, ça part sur de mauvaises bases. Ensuite, on passe énormément de temps à discuter sans jamais rencontrer personne. Ou quand on réussit à rencontrer, on est le plus souvent déçu. Pour moi, ça manque de séduction. C'est des rencontres purement sexuelles. Et moi, c'est pas du tout ce qui me convient. Oui. Alors déjà sur la question des photos. Alors, Flore chérie, ça paraît normal de mettre une photo qui nous avantage plutôt. En revanche, c'est vrai qu'il semblerait que beaucoup de gens mettent une photo de qui ont 10 ans pour pas dire 20 ans de moins. Oui, ça c'est le problème des nouvelles technologies, c'est que ça incite à la triche et ça crée une défiance de l'utilisateur de savoir démêler le vrai du faux. Encore 10 ans d'âge, d'écart d'âge, c'est une chose, mais on peut mentir sur tout, on peut mentir sur sa profession, on peut mentir sur le lieu où on habite, on peut s'inventer une vie. On peut dire qu'on est célibataire alors qu'on est marié, ça y paraît. Alors le plus souvent, c'est souvent là-dessus qu'on va mentir. Donc oui, ça a facilité le mensonge et donc ça abîme un petit peu les relations humaines et de ce que j'entends, Marie, vous en faites les frais. Parce que vous avez l'air d'être honnête sur votre fiche. Oui, moi je suis honnête. En fait, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'hommes quand même qui sont sur les sites pour uniquement regarder les photos. Et ils sont très demandeurs. Vous voulez dire pour pas rencontrer, c'est ça que vous dites? Oui. Oui, et ils rencontrent pas parce que moi j'ai posé des rendez-vous à certaines personnes qui m'ont posé des lapins carrément. Donc je comprends pas trop parce qu'il n'y a pas de risque de venir à un rendez-vous. Surtout pour un homme. Ben oui. Alors moi, je suis un peu méfiante, donc j'ai besoin de pas mal discuter avant de me lancer, si j'ose dire. Mais de ce fait, moi, je suis dans l'incompréhension et donc j'ai un peu laissé tomber les sites et je suis revenue à la méthode à l'ancienne où je sors et je rencontre des gens. Et là, au moins, la rencontre, elle est fiable. Et de toute façon, alors vous avez dit aussi qu'il y a pas beaucoup de rapports de séduction. En tout cas, c'est une séduction qui n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est une séduction de mots, hein, en général. Oui, on rencontre des gens. Et Flore, vous avez raison. Ce que vous voulez entendre, oui. Mais voilà, il y a rien. En fait. Très facile de faire de la cristallisation amoureuse par le biais du digital, c'est-à-dire inventer ou projeter ses propres fantasmes sur une personne qu'on ne connaît pas. Et l'inverse est vrai aussi. Et on est souvent très déçu par le contraste qu'il y a entre la façon dont une personne s'exprime par écrit et finalement la rencontre en vrai. On se dit, ah tiens, les mots étaient mieux choisis, étaient mieux formulés, il y avait plus d'humour, il y avait plus de légèreté. Et puis on se retrouve face à quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'humour, pas forcément beaucoup de conversation. Ces deux langages qui sont très différents et qui Exactement. Peuvent créer des déceptions. Oui. Mais est-ce que vous... Pardon, j'ai eu une expérience justement où j'ai rencontré sur Internet, sur un site, trois fois la même personne, alors que je l'avais rencontrée en vrai après la première rencontre et ça n'avait pas du tout matché. Et sur Internet, en fait, ça matchait à tous les coups. C'est-à-dire que vous l'avez rencontrée une première fois et ensuite, vous avez échangé avec lui une deuxième fois pensant que c'était quelqu'un d'autre? Tout à fait, parce que c'était à l'époque un site où on pouvait changer les pseudos, donc on se connaissait le pseudo qu'on voulait. Ouais. Mais est-ce qu'on ne conseille pas plutôt, Flore chérie, en général, avant de se rencontrer, de parler quand même, enfin d'échanger par téléphone enfin. Alors ça peut être une des portes d'entrée en effet. Moi ce que je conseille plutôt c'est de pas tant échanger que ça, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des critères un petit peu minimum, voir si la personne orthographie bien ses messages par exemple ou si elle est respectueuse. Une fois que vous êtes assuré de ça, d'aller très vite dans le réel parce que même avec la voix on se retrouve face à des gens qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Je pense que le principal écueil c'est la cristallisation et la projection de ses propres fantasmes et ses propres attentes aussi. Parce que vous avez des attentes de rencontrer quelqu'un dans la profondeur qui ne correspondent pas aux attentes en face manifestement, qui sont juste d'avoir une aventure sexuelle. Donc très vite se confronter à la réalité pour voir ce que la personne veut, comprendre ses intentions et donner suite ou pas. Mais là, le problème d'investir longtemps dans une relation digitale, à la fin, ça crée encore plus de déception, je pense. Oui, je suis d'accord.
Donc, c'est vrai, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de passer vite à se rencontrer, mais c'est pas évident quand même. C'est pas évident, il faut arriver à tout caler. Et bon, moi, j'ai abandonné, très honnêtement. Mais je pense que vous êtes quelqu'un d'assez authentique et je pense qu'en effet, vous êtes mieux dans la vraie vie que dans ce monde virtuel, oui. Je pense que ce monde virtuel est plus fait pour les jeunes qui sont nés dedans, en fait. Alors, votre ressenti, il est largement partagé. On appelle ça la dating fatigue, la fatigue des rencontres en ligne. Et c'est un phénomène qu'on observe depuis 2020. Et je crois que ça doit faire 1 ou 2 ans que, pour la première fois, les nombres d'inscriptions sur les sites de rencontres baissent. Parce que la déception que vous ressentez, elle est commune à beaucoup, beaucoup de personnes, les femmes en particulier, les hommes aussi. Donc, il ne faut absolument pas culpabiliser ou se dire « Ah, je suis trop vieille pour ça, trop vieille pour ça ». Les jeunes aussi ne trouvent pas leur compte sur les applications de rencontres. Parce que je pense que la façon dont c'est fait nuit, vous avez raison, à l'authenticité, nuit à l'effort aussi, parce que quand vous pouvez rencontrer plein de personnes, vous faites de moins en moins d'efforts et finalement permet de mieux masquer les intentions réelles. Eh bien, voilà une bonne nouvelle, Fleur chérie. Ça me fait bien plaisir d'entendre oui, ça. Oui, moi aussi. Ça me fait plaisir, je me sens moins seule. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Marie, d'avoir échangé avec nous. Merci à vous. On va continuer, évidemment, après les infos, à faire le tour de ces nouvelles technologies et de nos amours. Mais bien sûr, vous n'échappez pas à la devinette du jour. Fleur chérie, écoutez bien, c'est un couple qui baise sous la couette. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite après les infos, bien sûr. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Fleur chérie est avec nous et nous évoquons les nouvelles technologies, avantages, inconvénients. Pour l'instant, on a quand même vu qu'il y avait un peu des inconvénients, hein, mais peut-être que dans cette deuxième heure, on verra plus d'avantages. En tout cas, on sera ravis de vous donner la parole. Vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On abordera aussi un sujet tout à l'heure avec une invitée qui s'appelle Marianne Durano, qui vient de sortir un livre tout à fait intéressant, Naître ou le néant. Elle évoque donc le désir, le non-désir d'enfant qui est en nette augmentation. Hein, Fleur chérie, ça sera certainement très intéressant d'évoquer tout ça avec elle. Mais pour l'instant, je voudrais la réponse à ma devinette. C'est un couple qui baise sous la couette. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des bisous. Oui, mais alors c'est très drôle parce que j'aime bien cette devinette. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est la bougie de massage qu'ils font. Ah, d'accord. FOND, d'accord. Voilà. C'était un petit private joke, hein, avec le sujet du jour. Et vous êtes tombée dans le panneau. Et je suis tombée dans le panneau, mais oui. Il fallait me mettre la question par écrit, j'aurais mieux répondu. C'est-à-dire que j'ai mal prononcé, j'aurais dit « qu'est-ce qu'ils font ?» Ah oui. Et j'ai fait exprès, évidemment, bien sûr, de dire bien joué, qu'est-ce bien joué. Qu'ils font. Alors, être créatif, ça commence par un acte simple. La créativité, on ne le dit pas assez, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein. C'est pas nécessaire d'être intelligent, il faut juste avoir le cœur ouvert. Ça vient beaucoup de notre curiosité. Et les créatifs sont des êtres qui ont une capacité à remettre en question l'ordre, la société, qui sont souvent aussi très, très capables de s'adapter. Et c'est en ça que, finalement, la créativité, ça commence par déjà quitter ses habitudes. Et je trouve que, surtout dans le domaine de la sexualité, il faut être créatif. Et être créatif, eh ben, c'est juste déjà de changer peut-être quelque chose dans sa sexualité, dans son intimité. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Et puis ça part peut-être aussi de quelque chose qu'on a envie de dire à l'autre. Alors parfois, on a du mal à mettre des mots, des verbes, ou le dire de façon crue. Mais oui, passer par le jeu, par exemple, se déguiser, donc c'est être créatif. Ça permet aussi de montrer à son partenaire, voilà, il y a une autre facette de moi que tu ne connais pas, que j'ai envie de te montrer, explorons-la ensemble. Mmh, absolument, donc je sais pas, ce week-end, essayez d'être un peu créatif, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup. Catherine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Flore. Bonjour Catherine. Et donc vous allez parler aussi des sites de rencontres, Catherine. Oui, alors effectivement, bon, j'ai divorcé il y a 17 ans à peu près, et donc à la suite de ça, ben, voilà, je me suis mise sur les sites de rencontres. Et en fait, je pense que, bon, voilà, j'y vais régulièrement, etc., mais je pense que ça ne fonctionne pas pour moi.
Pour une simple raison, c'est le biais des critères. Je pense que étant plus jeune, j'avais pas autant de critères et tout d'un coup, faut faire une sélection face à cette quantité de personnes qu'il y a sur les sites. Et puis, je pense. Mais ça, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que le problème justement du site de rencontre, c'est qu'on va mettre ses critères, ce qu'on ne met pas dans la vraie vie. Vie, on va rencontrer quelqu'un qui aurait absolument pas répondu à nos critères, mais comme on est ouvert à la vie, ça peut tout à fait coller. Je suppose que ça vous est arrivé, Flore. Vous avez tout à fait raison. Le problème du site de rencontre, c'est que on se retrouve très vite à faire une liste et à catégoriser les gens en oubliant qu'il faut être surpris par la vie. Et que souvent les rencontres amoureuses, affectives, fonctionnent comme ça. Et c'est un petit peu pervers dans la façon dont c'est construit, parce que jamais dans la vie vous allez vous poser la question des critères, et avec les sites de rencontres, si. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et en fait, comme le biais d'accès, c'est quand même la photo, hein, et le peu d'échanges qu'on peut avoir par les messages, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes qu'on projette. On pense que la personne est comme ci, comme ça, voilà. Oui, mais moi, je peux raconter une anecdote personnelle. Un jour, je rencontre quelqu'un qu'on m'avait conseillé pour un conseil particulier. C'était une amie et je me suis dit, mais comment elle a pu tomber amoureuse de ce mec ? Parce que franchement, je le trouvais pas beau du tout. Et ben, quelques temps après, je suis tombée amoureuse de lui et j'ai été surprise moi-même. Donc on voit bien que tout est possible dans la vraie vie. Et c'est vrai que si on marque les choses noir sur blanc, on se rend compte que c'est pas la vraie vie. Hein. Oui, et surtout que sur les sites de rencontres, on voit que la couverture du livre et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que finalement, on tombe amoureux du contenu d'un livre et pas forcément de sa couverture. Tout à fait. Et je pense que moi, en fait, j'y vais du coup avec le peu d'éléments, et j'y vais avec beaucoup d'attentes, oui. Beaucoup de projections, beaucoup de je pense que j'imagine que la personne est comme ci, comme ça, etc. Et qu'en fait, quand on se rencontre, à 90%, je suis vraiment déçue par tout. Oui, ce mais que vous j'ai. Avez vous avez sans doute tendance à projeter un petit peu trop votre idéal dès que vous êtes en relation avec quelqu'un. Et si vous attendez de rencontrer quelqu'un qui correspond à votre idéal, forcément vous êtes sûr d'être déçue. Il faut vraiment rester ouvert à la rencontre, en fait. Ben ça, je trouve que du coup c'est difficile en fait sur les sites de rencontre. Parce qu'on a des petits éléments et tout de suite. Oui, mais parce que vous les interprétez avec un biais cognitif. Tout à fait. Qui est votre désir, hein, sans doute. Oui. Et après, ça n'empêche pas, je pense, que les deux cohabitent. C'est-à-dire, vous avez un objectif clair et un désir clair, très bien. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois que vous avez un rendez-vous avec un inconnu, vous vous dites tout de suite, je vais juste passer un bon moment et je ne vais pas projeter mes attentes. Mais vous pouvez toujours avoir cet objectif en tête et ne jamais le projeter sur aucune des rencontres que vous faites avec un inconnu. Il faut toujours se dire, un inconnu, soit il me sert à passer un bon moment et c'est tout, et on verra après ce rendez-vous comment je me projette, mais jamais le faire avant. Ça, c'est toujours l'erreur. Et je trouve que c'est aussi difficile parce que, en fait, quand on se donne rendez-vous, on sait tous les deux qu'on est là pour ça, en fait, pour éventuellement une rencontre. Est intéressant, une rencontre, mais une rencontre juste pour passer, prendre un café. À partir du moment où vous vous dites, je dois passer un bon moment, vous dites, ok, très bien, qu'est-ce qui m'amuse dans la vie ? J'ai envie de voir telle expo, il y avait tel film que j'ai pas vu, donnez-lui rendez-vous pour voir telle expo, pour aller dans tel restaurant qui vous donne envie, pour voir ce film que vous aviez envie de voir de toute façon, parce que dans tous les cas, vous aurez rempli votre mission, qui est de passer un bon moment, et après, à l'issue d'un rendez-vous, vous faites votre avis. Est-ce que cet homme rentre dans mon objectif de vie, ou alors est-ce qu'il ne rentre pas dans mon objectif de vie ? Et si vous le faites dans ce sens-là, il y a moins de déception. D'accord. Ok, je note. Parce qu'effectivement, moi, quand je prends un verre, je ne peux pas m'empêcher
de le passer sous scanner, quoi, en fait. Donc, enfin, vous voyez, c'est... Et vous vous retrouvez alors, en entretien d'embauche et la dynamique est toujours un petit peu difficile et délicate. Et qui dit entretien d'embauche dit mensonge à l'embauche, mais, bien oui. sûr. Donc, en fait, vous ne pouvez pas... Donc, cette dynamique-là, qui, en effet, vous avez raison, favorisée par les sites de rencontres, n'est pas forcément celle qu'il faut, dans laquelle il faut aller. Vous avez aussi, vous, le pouvoir de pouvoir... De choisir ou d'influer un premier rendez-vous qui vous donnera des informations subtiles, pas forcément explicites, sur votre partenaire et qui se fera par le biais d'une activité qui vous plaît. Je vais faire un parallèle, Catherine. Vous allez passer une soirée chez des amis ou qui vous disent il y aura du monde, viens, etc. Si vous y allez en étant avec ce désir de rencontrer un homme, vous avez de fortes chances d'être déçu par la soirée parce qu'il n'y a pas tellement de chances que ça que vous rencontriez l'homme de votre vie. On est bien d'accord. Oui. Et pourtant, pourtant, vous allez accepter d'aller passer une soirée chez des amis sans projeter l'idée de rencontrer l'homme de votre vie. Mmh. Vous voyez, c'est ce oui. que vous propose Fleur Chérie, c'est de faire des rencontres qui ne soient pas avec l'objectif de rencontrer l'homme qu'il vous faudrait. Mmh. Effectivement, moi j'aurais plutôt tendance à y aller, comme si mes amis me disaient viens, il y a des nouveaux amis, etc. Tu vas voir un tel, il va te plaire, il est comme ci, comme ça, il est drôle, il est etc. Et donc effectivement. Mais c'est une erreur ouais. de la part de vos amis déjà de vous dire ça parce que. On est... Mais je pense qu'il ne faut pas que vous abandonniez votre objectif. S'il est important pour vous et si vous l'avez autant à cœur, gardez-le. Mais il n'empêche que les rencontres se font plus facilement quand vous prenez du plaisir, vous. Et puis après, vous dites, tiens, est-ce que ça a matché? Est-ce que ça n'a pas matché? Est-ce qu'il rentre bien dans ce que je veux? A posteriori, plutôt que d'y aller dans cet objectif-là, où justement, c'est là où ça devient contre-productif. Peut-être. Oui, non, c'est clair. Il faut que je change ma façon de voir, mon angle de. Tout à fait, oui. J'étais pas loin d'abandonner quand même. Enfin, je trouve que ça a quand même, ça a quand même le mérite de mettre en relation des gens. Voilà, c'est quand même efficace pour ça. Mais effectivement, il faut que j'y aille avec moins d'attente. Je trouve que c'est une bonne façon de choisir un truc qui, moi, me ferait plaisir, un endroit, etc. Un conseil que je donne de temps en temps aussi pour les personnes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres, c'est ça peut même être d'ailleurs un rendez-vous avec un thérapeute, c'est de faire interpréter par quelqu'un de proche en qui on a confiance ce qu'on a mis nous. Parce que c'est parfois ce qu'on met nous comme destructif ou comme demande qui va faire qu'on va attirer les mauvaises personnes. Et ça, c'est très, très important parce que c'est la manière dont on se vend, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ce qui se passe, va forcément avoir un effet sur ce qu'on va attirer. Vous comprenez, Catherine ? Oui, complètement. Donc peut-être ça serait intéressant que vous demandiez à quelqu'un de proche en qui vous avez confiance et qui est capable d'analyser assez lucidement et objectivement ce que vous inscrivez et peut-être qu'il y a quelque chose à changer aussi dans votre manière de vous décrire dans votre profil en quelque sorte. D'accord. Eh bien je note tout ça. Eh bien, allez-y. Et puis, merci pour tous ces éléments pertinents. Merci de votre échange, Catherine. Merci à vous. On fait une petite pause et on va revenir sur un autre sujet. Mais on reste bien sûr dans les nouvelles technologies avec Fleur Chérie qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Fleur Chérie est avec nous, vous êtes journaliste, vous vous intéressez beaucoup à toutes les questions de sexualité et je voulais revenir, on devait avoir une auditrice, mais ça c'est le problème du direct, on a un petit souci. Je voulais revenir sur les nouveaux jouets, la nouvelle génération de jouets. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du fameux womanizer, donc qui envoie de l'air pulsé. Qui est en effet le favori des femmes. Qu'est-ce qui... Alors, j'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de spéciales point G. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Oui, alors je pense que le sextoys fonctionne de façon drastique quand il répond
à une problématique biologique certaine. Par exemple, le clitoris féminin est un peu positionné de façon bâtarde. Clitoris féminin Le clitoris tout court. Alors, le clitoris, je vais... Oui, bon, non, je vais faire le pléonasme. Excusez-moi, mais c'est le genre de choses que je pourrais dire aussi. Hein. Je plaisante. Vous avez raison. Le clitoris est positionné de façon bâtarde, c'est-à-dire que la stimulation, elle est un peu externe et puis elle est aussi un peu interne. Et donc, l'air pulsé permet d'avoir une stimulation optimale, c'est-à-dire qu'il stimule beaucoup la partie externe et va jusque dans la racine, ce qu'on n'avait pas forcément avec la vibration à la base. Et donc, on a la racine qui se retrouve aussi très, très bien stimulée. C'est pour ça qu'on a à ce point-là le plaisir. Je pense que plus que le point G, parce que le point G, ça stimule localement le clitoris, mais pas dans sa globalité comme le fera l'air pulsé, c'est plutôt le point P, c'est-à-dire la prostate. On a des stimulateurs prostatiques qui gagnent beaucoup de terrain, parce que la prostate est mal située, un endroit pareil, un peu bâtard d'un point de vue de la stimulation. Ça peut être aussi un tout petit peu, on peut le faire à partir du périnée, mais le mieux c'est évidemment en interne. Et il y a aujourd'hui des masseurs prostatiques qui sont vraiment très bien optimisés pour la stimulation de la prostate. Donc pour moi, le grand marché qui est en train d'arriver, c'est le stimulateur prostatique qui répond à une vraie problématique masculine pour le coup. Oui, et en plus, parallèlement à ça, on voit que les hommes s'ouvrent, si je puis dire, aussi à tout ça. Hein. Il y a 20 ans, pratiquement, à part les homosexuels, évidemment, mais les hommes étaient assez fermés, si je puis dire, de ce côté-là. Hein. Oui, les sphincters étaient bien fermés. Et oui. C'est ça, oui, ils avaient l'impression que s'ils pratiquaient une stimulation anale, ils avaient des tendances homo, donc il y avait une sorte d'incompréhension entre l'orientation et la pratique. Tandis qu'aujourd'hui, oui, les hommes s'ouvrent beaucoup et testent. Et en effet, je pense que c'est une belle avancée aussi pour le plaisir des hommes. Il y a une diversité des pratiques sexuelles. Donc, on parlait du porno, évidemment, et de ses effets négatifs. Un des effets positifs du porno, c'est que ça a permis aux gens de se dire qu'il y avait beaucoup de pratiques sexuelles qui étaient très différentes et de les décomplexer sur cette exploration-là. Donc évidemment, les hommes comme les femmes, les femmes par exemple qui avaient du mal à se masturber, se masturbent plus, peuvent se dire « Ok, bah, je vais prendre mon sextoy, je vais masturber dans mon coin. » Et ça devient de plus en plus accepté. Et chez les hommes, se dire « Bon, bah, la zone anale, elle est très intéressante, elle me permet un orgasme qui est original, différent, et je ne vais pas m'empêcher de le faire et je vais y aller aussi. » Donc ça, c'est un des avantages du monde dans lequel on vit, c'est que les gens se mettent moins de barrières pour l'exploration de leur sexualité. Et puis peut-être qu'on va avancer aussi, on a déjà un petit peu avancé sur des jouets qui permettent une meilleure rééducation périnéale pour les femmes. Oui. Enfin, il y a aussi tout ça qui est formidable, qui n'existait pas beaucoup il y a 30 ans. Hein. Oui, il y a aussi évidemment, on pense là aux boules de Kegel, aux boules de Geisha, aux boules de Kegel, qui permettent de faire des exercices de rééducation. Beaucoup d'exercices qui sont comme ça. Du côté des hommes, une des dernières innovations, mais qui ne prend pas, c'est les sextoys qui aident à la performance. Je pense notamment à ces vaginettes qui sont connectées au téléphone et qui, à travers un jeu vidéo, aident les hommes à mieux maîtriser leur érection et à retarder leur éjaculation, soi-disant. Donc, ils doivent, avec ce petit jeu vidéo, je ne sais pas trop ce qu'ils font avec la petite voiture, mais elle doit avoir un nombre de temps défini avant d'y arriver. Bon, ces outils qui aident à la performance du côté des hommes, finalement, ne prennent pas tant que ça, même s'il y a eu beaucoup de recherche et développement qui a été investi par les marques dedans. Et puis c'est des très beaux objets technologiques, mais on voit que pas tant que ça. Alors que du côté des femmes, vous avez raison, sur l'aide, l'accompagnement, le bien-être, c'est aussi une tendance qui émerge beaucoup sur le marché des sextoys. Moi, pour quand on testait des jouets, les vaginettes, j'ai eu très rarement des avis favorables. Hein. Ça les passionne pas beaucoup. Ils ont leurs mains. La main est de toute façon bien plus efficace. Non, puis la vaginette, bon, faut la nettoyer, elle est contraignante. Dans le cas dont je parle, faut aussi la charger. À partir du moment où ça demande un effort à l'utilisation et que cet effort est plus compliqué que celui de la main droite ou gauche pour les gauchers, ça n'arrivera jamais à passer. Il n'y a que le womanizer, on se dit « Ah, ça vaut l'effort de le nettoyer, de le recharger, parce que vraiment les sensations changent tout. » Et puis, sur votre site mysweetfantasy.com, on vous demande des fantasmes avec jouets de temps en temps.
Ça peut être le cas. En fait, ce qu'on voit, et notamment dans le Womanizer, c'est que de plus en plus de femmes arrivent plus facilement à l'orgasme de cette façon-là. Donc, on peut nous demander, surtout dans le cadre de couple, est-ce que madame peut prendre son sextoy pour se masturber ? Est-ce que c'est dérangeant ou pas ? Nous, évidemment, on dit que les gens font absolument ce qu'ils veulent et il n'y a aucun souci avec ça. Et on voit, oui, le sextoy apparaître de plus en plus dans la sexualité des gens au quotidien. Oui, c'est... D'ailleurs, le fait d'avoir trouvé ce mot, hein, jouer intime, ça a énormément démocratisé, parce qu'avant, ça s'appelait vibromasseur, godmiché. Alors godmiché, c'était vraiment un mot qui passait pas. On voit quand même que le mot... il dit quelque chose, et un mot qui est d'ailleurs, certaines personnes aimeraient qu'on trouve d'autres mots, par exemple pour les règles. Même le mot vagin est un mot qui est difficile. Le sexe féminin, c'est-à-dire c'est vagin et vulve, on n'arrive toujours pas à trouver un mot qui englobe un petit peu les deux. Et je suis d'accord sur le mot sextoy, parce que bon, il vient des États-Unis, il raconte quelque chose en fait d'un marketing américain qui a été importé en France, mais finalement il parle pas tôt de l'appropriation de ce monde-là par les Français, donc on utilise toujours ce mot américain. Il raconte quelque chose sur le côté ludique et joyeux, parce qu'il y a toy, il y a le côté jouet. Jouer, oui, donc ça, on voit bien le petit canard rose, on voit bien le petit rabbit. Le vrai premier sex toy qui a été connu, c'est 2001, le petit rabbit rose dans Sex and the City, où pour la première fois, on a Carrie Bradshaw qui le présente dans une émission américaine. Et Sex and the City, et donc c'est la première fois qu'il y a une envolée de ventes, bien sûr, et que le mot se démocratise. Ça reste un petit jouet, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la pluralité de ce que c'est le sextoy, oui, on pourrait retrouver un nouveau branding, comme on dit dans le milieu marketing. On continue évidemment à évoquer les nouvelles technologies et la sexualité. Si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons recevoir Marianne Durano et on va évoquer le fameux désir d'enfant qui serait en baisse chez les femmes aujourd'hui. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Flore Chérie, il faut réconcilier le sexe et l'amour, parce que dans des couples, il y a plutôt les femmes d'ailleurs, hein, mais enfin les hommes aussi de temps en temps, mais c'est surtout les femmes. Elles aiment profondément leur mari et pourtant n'ont plus vraiment envie d'avoir de rapports sexuels. Alors c'est vrai, on ne le dit peut-être pas assez, sexe et amour ne répondent pas aux mêmes critères. Le sexe, ça répond plutôt à une pulsion, tandis que l'amour, eh bien, ça se construit au fil du temps. Hein. Dans la pulsion, il y a quelque chose d'un petit peu égoïste, agressif. Hein. Le sexe, c'est quelque chose de cet ordre-là. L'amour, c'est plutôt de la tendresse et de l'intérêt qu'on a pour son partenaire. Et concilier les deux, eh bien, il faut être capable de relier deux comportements qui sont finalement assez contradictoires. Alors évidemment, là, je suis un petit peu dans la caricature, hein, mais c'est important de comprendre ça. Et chacun d'entre nous a une prédisposition pour l'une ou l'autre de ces composantes. Donc il faut travailler sur le point faible, si je puis dire, pour arriver à concilier sexe et amour. Si vous êtes plutôt dominé par votre pulsion, il faudra parvenir à échanger plus tendrement au quotidien afin que votre partenaire ne doute pas de votre sentiment amoureux, parce que c'est ça aussi qui parfois éloigne les femmes de la sexualité, c'est parce qu'elles ont l'impression qu'ils ne pensent qu'à ça, hein, la fameuse phrase. Et si vous êtes plutôt un grand ou une grande sentimentaliste, vous devez comprendre que lors des rapports amoureux, eh bien, il faut être un petit peu plus animal, si je puis dire, et puis que faire l'amour, dans faire l'amour, il y a amour, c'est pas du sexe, c'est une manière de se retrouver par le corps et non pas par le cœur. Mais parfois, quand on se retrouve par le corps, il faut que le corps ait le temps d'être pas fatigué et d'avoir aussi envie de sexe, et peut-être retrouver un temps plus lent, ce qui est difficile dans des quotidiens un peu empressés avec un train de vie qui peut être un petit peu dur avec les enfants, le travail, etc. Retrouver du temps à soi, ça peut passer par prendre un bain, par faire du sport, permet aussi d'éveiller la libido et d'être disponible pour son partenaire. Voilà, en tout cas, c'est important de garder une intimité dans un couple. C'est ce que je répète sans cesse.
Eh bien, nous accueillons maintenant Marianne Durano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agréée de philosophie, mère de quatre enfants. Hein, je suis obligée de le signaler parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre. Ça s'appelle « Naître ou le néant ». C'est aux éditions Desclée de Brouwer. Et en sous-titre, il y a « Pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement ?». Alors, c'est vrai, on le voit bien. Il y a de plus en plus de femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. Pourquoi pas, c'est le droit de chacune et c'est peut-être une nouvelle liberté des femmes et tant mieux. Et en même temps, quand on a les arguments qui font qu'elles ne veulent pas d'enfants, c'est souvent des arguments qui peuvent laisser un peu sceptiques. Parce que, par exemple, ne pas vouloir d'enfants parce qu'elles ont peur du monde qui les attend. Bon, je ne suis pas sûre qu'en 1924, mettre des enfants au monde, c'était si positif que ça. Enfin, donc c'est ce que vous expliquez tout au long de cet ouvrage. Oui, en effet, j'ai écrit ce livre non pas pour convaincre absolument toutes les femmes d'avoir le plus d'enfants possible, absolument pas, mais d'abord pour répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont posée. Ça va de ma mère à un militant écolo que je peux rencontrer et qui est « Pourquoi est-ce que tu fais autant d'enfants alors que tu parles tout le temps de crise écologique ?» Et je me suis laissée un peu interpellée par cette question et j'ai voulu y répondre en me disant « Est-ce que cette angoisse-là que beaucoup de jeunes expriment, elle ne masque pas quelque chose de plus profond dans notre rapport à la vie, au risque que représente le fait de faire un enfant, et surtout, voilà, comment est-ce que je peux y répondre ? Et c'est parce que vous y répondez assez bien hein, que j'ai eu envie de vous inviter, parce que je crois que c'est peut-être derrière ce non-désir d'enfant, il faut peut-être aller un petit peu plus loin pour être sûr de ne pas regretter plus tard. Parce que moi, ce que je remarque, moi j'ai fait le choix de ne pas vouloir d'enfant et j'ai un âge où je ne pourrais de toute façon plus en avoir, mais je ne regrette rien. Mais j'ai beaucoup de... autour de moi, j'ai rencontré quand même des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfant et qui regrettent de ne pas en avoir eu. Donc c'est en ce sens que j'ai eu envie de vous inviter pour qu'on se pose vraiment la question. Alors il y a des chiffres, Fleur Chéri, qui sont assez intéressants, dont vous parlez dans ce livre. En 2006, 98% des Françaises âgées de 18 à 49 ans désiraient devenir mère. Moins de 20 ans plus tard, 31% d'entre elles affirment ne pas vouloir d'enfants. C'est énorme, hein, en très peu d'années quand même. Alors parmi elles, 54% se définissent comme très écologiques et 50% comme très féministes. Alors la question que je me pose, pourquoi ? Parce qu'on est très écologique, on pourrait à peu près le comprendre. Hein, on peut s'interroger sur la suite de l'humanité dans 50 ans. Mais la planète, elle ira très bien, hein, je le rappelle toujours. Parce que ça m'énerve un peu quand on défend l'avenir de la planète en tant qu'écolo. Mais pourquoi 50% de très féministes ne désirent pas d'enfants ? Je pense que c'est un phénomène multiple. Il y a une libération de la parole et elle est la bienvenue. Il y a aussi, je pense, une pression de plus en plus importante qui pèse sur les épaules des mères qui sont de plus en plus seules à devoir assumer leurs enfants parce qu'on considère qu'avoir un enfant, c'est un choix. Et par ailleurs, il y a une société où on a demandé aux femmes de s'intégrer dans le marché du travail, d'être aussi compétitives que les hommes, sans pour autant remettre en question les rythmes de travail, les rythmes d'une carrière. Et donc il y a beaucoup d'injonctions contradictoires qui pèsent sur les femmes qui sont censées être des super épouses, des super mères, des super professionnelles. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une histoire dans le féminisme aussi où on a un petit peu considéré que la femme qui faisait le choix d'être mère et de se consacrer à ses enfants était pour ainsi dire une sociale traître. Donc il y a une histoire du féminisme qui doit se réconcilier avec la maternité. Oui, bien sûr, j'entends bien. D'ailleurs, c'est pas un enfant quand je veux, c'est parfois un enfant quand je peux. Hein. Oui. J'aime aussi à le rappeler. Et puis il y a la question du conjoint aussi et de la place des hommes et de est-ce que eux veulent bien répartir les tâches, parce que le féminisme c'est ça aussi, c'est re-répartir les tâches puisque les femmes rapportent de plus en plus d'argent au foyer et donc il faut se réorganiser. Donc peut-être monsieur doit faire à manger, peut-être que monsieur doit aussi s'occuper de l'enfant et c'est peut-être là où il y a conflit entre les sexes et qu'il y a difficulté à trouver un terrain d'entente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir un enfant, ça va plus de soi, parce que maintenant l'enfant est le fruit d'une liberté, d'un choix, voire, et c'est là que moi je suis un peu plus critique, d'un projet.
On a l'idée qu'il faut faire un projet d'enfant, que l'enfant va trouver sa place dans un projet de vie, et que donc il faut que ce projet soit réussi. On est un peu sommé, puisqu'on l'a bien projeté, cet enfant, qu'il soit à la hauteur de nos espérances. Donc il y a aussi une pression qui est mise sur les épaules des couples, et quand même en particulier des mères qui sont tenues de satisfaire ça, c'est une pression idéale. qu'on a tous aujourd'hui, où il faut faire les choses. Enfin, je veux dire, ça m'amuse beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'on est de moins en moins libre, alors qu'on prétend qu'on est de plus en plus libre, mais en fait on a des pressions de partout, et forcément aussi par rapport aux enfants, et peut-être encore une fois, c'est toujours la même question: est-ce qu'on a un enfant ou est-ce qu'on est parent, quoi? Alors, c'est une excellente question, et justement moi j'essaie de me dire, si on a un projet d'enfant, l'enfant devient un peu un objet dans notre projet de vie. Et pour moi, il s'agit moins d'avoir un enfant, sous-entendu avoir un enfant conforme à une certaine idée qu'on se fait de lui. Et qui ne correspondra pas à notre désir d'avoir un enfant. C'est sûr, ça sera toujours raté. Si on projette un enfant précis, il faut savoir qu'il ne lui ressemblera jamais, enfin l'enfant réel ne ressemblera jamais à cet enfant. Il s'agit plutôt d'accueillir une altérité. Il s'agit de rencontrer un individu qui sera complètement nouveau. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à penser l'engendrement comme une rencontre, comme un accueil. Et moi, j'emploie le mot de consentement. C'est-à-dire consentir à cet enfant qui vient, ou malheureusement parfois qui ne vient pas, justement, qui n'est pas forcément le fruit d'un projet dont on maîtrise toutes les étapes parfaitement. D'ailleurs, les chiffres que vous donnez sur les FIV, je savais que ça ne marchait pas tout le temps, mais ça marche encore moins que ce que je pensais. Oui, mais je pense qu'en fait, il y a les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que quand on considère l'enfant comme un projet, eh bien, soit l'enfant arrive et puis il n'est pas comme on voulait, et donc le projet ne correspond pas, et donc on a des angoisses ou des situations de parents qui regrettent d'avoir mis au monde un enfant, ou qui sont dans des situations compliquées. Soit on a un projet d'enfant et l'enfant n'arrive pas, et dans ce cas-là, ça crée aussi des souffrances énormes. Soit on a aussi des jeunes qui se disent, bah, en fait, je ne me sens pas capable de mener à bien mon projet d'enfant tel que je l'idéalise, donc je préfère ne pas en avoir, parce que précisément comme l'avenir est incertain, il est inquiétant. Alors bien sûr, en 1924, l'avenir était déjà pas rose, mais enfin, il y avait pas cette petite musique quand même qui tourne en boucle actuellement sur les médias, qui est que on va vers un avenir monde, je suis d'accord que le monde aujourd'hui est très anxiogène, mais en 1924 ils n'avaient pas la contraception, donc il y avait moins de choix de maternité, de toute façon il n'y avait pas le choix. C'est que là on a le choix, donc on se pose la question. Ce que je voulais dire en disant ça, c'est que de toute façon on ne sait pas ce que le monde de demain nous attend, et heureusement d'ailleurs, et peut-être qu'en effet il va y avoir des catastrophes. Mais peut-être que si on leur avait mis la contraception, peut-être qu'on aurait eu le même pourcentage en 1924, on ne sait pas, peut-être qu'il y aurait eu des... À mon avis, les femmes n'étaient pas aussi capables de choisir. C'est la question du choix. Eh ben, alors, je suis pas si sûre. J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que on voit que dans les pays où il y a une grande précarité, ou voire il y a la guerre, ou même dans les populations dans les pays occidentaux qui sont le plus précaires, c'est là où il y a le plus d'enfants. En fait, quand bien même, par exemple, je parle. Alors, je sais que c'est un chiffre qui va être que c'est une analyse qui va être contestée. Mais les femmes gazaouis, donc les femmes palestiniennes, avec une moyenne de 7,7 enfants par femme, en fait, font partie des femmes qui sont les plus diplômées du Moyen-Orient et qui ont le meilleur accès à la contraception. Donc on ne peut pas juste dire que c'est parce qu'elles n'ont pas le choix qu'elles ont autant d'enfants. Pareil, en France, vous regardez, c'est les populations les plus précaires qui ont finalement le plus d'enfants. Et je pense qu'il y a ça questionne un certain rapport à la vie, un rapport à l'existence qui est moins celui... Et juste pour finir, pardon, excusez-moi, sur la question le fait qu'on ait la contraception. Et ben maintenant, on se retrouve sommé d'avoir des bonnes raisons, quoi, pour avoir un enfant, parce qu'on l'a bien choisi, alors on est censé avoir bien réfléchi. Et en fait, moi, en écrivant ce livre, je me suis dit, mais il n'y a pas de bonne raison d'avoir un enfant. Quand on commence à donner des raisons pour lesquelles on a fait un enfant, on commence à instrumentaliser l'enfant pour qu'il serve son propre projet de vie. Donc par exemple, si je dis, j'ai fait un enfant pour m'épanouir, ou pour solidifier mon couple, pour ma retraite, quand je serai malade, pour pas être seule quand je vieillirai, en fait je trouve ça affreux, parce que sous-entendu, l'enfant je le fais pour moi. Mais non, moi j'ai fait l'enfant parce que j'aime la vie, j'aime mon mari, et que j'ai envie de transmettre ça. Donc voilà, philosophiquement il y avait quelque chose qui me semblait important. Oui, mais je trouve que votre livre pose les bonnes questions, et j'avoue qu'au départ, moi, je me suis dit, c'est pas... Et puis, j'essaye de faire mon boulot correctement, je me suis
plongé dedans et j'ai trouvé qu'il était, pour toutes les femmes qui se posent la question aujourd'hui d'être ou pas mère ou d'avoir un enfant ou pas, c'est un livre que je pense qui peut leur permettre de trouver leur réponse, leur vraie réponse à elles, parce que c'est ça qui importe. Et puis pour les hommes aussi d'ailleurs, parce que je crois que les hommes aussi sont malmenés aujourd'hui parce qu'ils ont plus beaucoup de choix. Hein. S'ils sont avec une femme qui n'en veut pas, ils peuvent pas la convaincre. S'ils sont avec une femme qui veut faire l'IVG, ils n'ont pas le choix de garder l'enfant. Donc c'est des vraies questions de société aujourd'hui, en tout cas dans notre monde occidental. Oui. Et puis il y a peut-être la question aussi de l'isolement des mères, c'est-à-dire que peut-être il y a 100 ans, il y avait quelque chose de très transgénérationnel dans le soin apporté à l'enfant. Là, on se retrouve avec des mères qui sont isolées, qui n'ont pas du tout le mode d'emploi quand le bébé arrive. Alors on a un très bon suivi gynécologique en amont, mais une fois qu'on se retrouve avec le bébé à la maison, il y a plus du tout, enfin les femmes, les mères sont laissées comme ça. Et il y a beaucoup moins de discours transgénérationnels pour les aider, les accompagner, les soulager sur les premiers mois et les premières années. Peut-être que c'est un frein aussi. Oui. Mais de fait, j'avais envie de dire deux choses en vous écoutant. La première, c'est que comme on a fait de la maternité, de la parentalité, un choix individuel, ben, les parents se retrouvent très seuls. Parce que bon, ben, c'est ton choix, chacun sa route, chacun son chemin, débrouille-toi, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'on va devoir inventer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation pour assurer la transition écologique, assurer un avenir à nos enfants. Et justement, je pense que cet avenir passera par un retour à des formes de solidarité plus locales qui entoureront mieux les parents et qui aussi permettront de sortir d'un certain individualisme consumériste. Et pour la petite anecdote, pour que je puisse être là aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio, c'est tout mon village qui s'est organisé pour se relayer, pour garder mes enfants, pour que Marianne bien puisse sûr, venir à Paris. Sûr, et c'est hyper touchant. Et sans ça, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Mais moi, j'avais dit à un moment donné, mais pourquoi les personnes qui sont à la retraite ne pourraient pas dans les maisons, dans les appartements, garder les enfants des jeunes qui travaillent. Enfin, je veux dire, ça serait... Mais on n'en prend pas tellement le chemin. Et c'est vrai que aujourd'hui, les familles sont de plus en plus éloignées, etc. C'est compliqué si on n'a pas les grands-parents, c'est vrai que c'est aussi un problème d'organisation qui... En tout cas, vous rappelez aussi quelque chose de formidable, hein, vous rappelez les quatre principes d'Épicure dans ce livre, ça m'a beaucoup plu. Peut-être qu'on peut les dire comme ça pour conclure. Tout à fait, conclure par Épicure, ça me va bien. J'ai voulu effectivement rechercher dans la tradition philosophique qui est la mienne de quoi m'aider en fait dans mes questionnements de parents. Et Épicure propose donc au 4e siècle avant Jésus-Christ quatre remèdes pour être heureux. Le premier remède, c'est que le bonheur est facile à atteindre parce qu'il consiste à se contenter des choses naturelles, enfin des désirs naturels et nécessaires. Deuxièmement, que la mort n'est pas à craindre. Puisque quand elle est, je ne suis plus. Et quand je suis, elle n'est pas. En gros, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Bon. Troisièmement, la souffrance n'est pas à craindre. Parce que, dit-il, soit elle est intense mais brève, et puis on peut toujours mourir, soit elle est longue et supportable. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'on est en vie, et tant qu'on supporte cette vie, ça veut dire qu'on y trouve encore de la joie. Et quatrièmement, le destin n'existe pas. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le rappeler. Eh bien, on va conclure là-dessus. Ça s'appelle Naître ou le néant. Merci beaucoup, Marianne Durano. Et puis, j'invite donc ceux qui ont envie de se poser la vraie question, la leur, de leur désir d'enfant, pourront trouver peut-être la réponse. C'est aux éditions Desclés de Brouwer. Merci beaucoup. Merci on fait beaucoup. Une petite pause et puis notre débat du jour, un robot sexuel, c'est mieux que la prostitution, pour ou contre, on le sait dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Flore Chéri est avec nous et nous avons le grand débat du jour. Un robot, c'est mieux que la prostitution. C'est un petit peu provocateur peut-être ce questionnement. Nous avons Lionel qui dit qu'il est pour. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte et bonjour Flore. Et nous avons Tania qui n'est pas d'accord et qui est contre. Alors comme toujours, je donne d'abord la parole à Lionel. Qu'est-ce que vous dites pour convaincre Tania ? Alors, pour convaincre Tania, en fait, moi, je pars du principe que de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Pourquoi ? Parce que l'accès à la pornographie, on voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement soutenu, on va dire. Les progrès de la robotique et de la chimie, notamment des matériaux, fait qu'on se rapproche de toute façon de plus en plus d'une
on va dire, d'une réalité, que ça soit physique ou que ça soit comportemental. Les gens sont de plus en plus seuls. Et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont qui vont pas aller spécialement voir de la prostituée parce que un, ça leur convient pas, deux, ils sont peut-être trop introvertis pour le faire. Mais peu importe, ça va répondre en fait, si vous voulez, à toute une demande de gens. Et on va pas avoir le choix parce que de toute façon, c'est déjà la ligne que ça prend. Quand on regarde le Japon avec ce qui se passe, un des promoteurs, je n'ai plus de son nom là, un des chercheurs qui bosse là-dedans, on voit bien qu'il est déjà accompagné de robots qui ont une forme humaine qui est vraiment bluffante. Quand on voit les avancées de la réalité virtuelle. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de robots pour dans les EHPAD ou pour les personnes bien qui sûr, ont des handicaps. Hein, oui. Mais donc là, en fait, on ne va pas avoir le choix. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question que de toute façon, ça arrive. Voilà. Alors, c'est sûr que mais là, le robot ne se prostitue pas puisque vous ne donnez pas de l'argent au robot. Le robot vous accompagne, remplace un partenaire de vie, mais... Bon, en tout cas, on va laisser la parole à Tania. Qu'est-ce que vous dites à Lionel qui essaye de vous convaincre? Moi, que je suis déjà très réfractaire à beaucoup de choses technologiques comme l'Internet, l'IA, tout ça. Puis on a appris récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que l'IA avait quand même convaincu des gens d'aller se suicider. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, qu'au contraire, je pense que la prostituée, elle est là pour entendre, écouter... Il y a beaucoup de témoignages qui le disent. Et les hommes, ils ont besoin de ce contact humain pour aller mieux. Vous avez raison. Les hommes vont aussi voir une femme qui se prostitue pour échanger des mots. Pourquoi le robot ne pourrait pas aussi échanger des mots? Enfin bon. Flore chérie, qu'est-ce que vous avez envie de réagir, j'imagine? Oui, le côté prostitution, c'est quand même... les enjeux liés à la prostitution ne sont pas les mêmes que ceux liés au partenaire de vie. Donc la question, c'est est-ce qu'un robot remplace un partenaire de vie ou pas? Et sur les questions je rejoins quand même le témoignage de Thierry, c'est-à-dire que... Lionel, le robot va pouvoir apporter une réponse affective aussi, je pense, demain, quand on dit oui, les prostituées peuvent entendre, peuvent écouter. Oui, mais on est à ça qu'un robot aujourd'hui puisse entendre, écouter, et mieux qu'un humain, et mieux répondre, et accompagner encore mieux qu'une humaine et une prostituée imparfaite, qui a ses humeurs, et qui a parfois une écoute, qui écoute d'une oreille, et puis on attend que leur tourne et que ça se termine. Et puis ça réduira les IST. Hein. Et puis je pense aussi qu'un homme va se dire, peut-être que cette personne qui est en face de moi n'a pas forcément envie d'être là, et peut-être qu'il y a quelque chose de très rassurant dans le rapport au robot. Donc sur beaucoup d'aspects, le robot demain sera peut-être plus performant que l'humain, notamment sur l'écoute. Donc Lionel, vous avez Flore qui est plutôt de votre côté. C'est juste de la logique, elle l'a très bien dit. L'IA maintenant est capable de répondre. Alors j'entends que Tania, c'est ça. Elle n'est pas trop branchée techno, mais la techno est là et la techno avance avec ou sans vous en fait. Et l'IA est aujourd'hui capable de répondre à des questions quand même, à des questions même philosophiques, de manière assez précise. Je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis juste qu'on se dirige là-dedans. Quand vous couplez ça finalement, quand vous couplez cette intelligence entre guillemets avec de la robotique de haut niveau et avec surtout une chimie des matériaux de haut niveau, vous vous retrouvez avec une espèce de combo parfait pour être un bon compagnon, et le sexuel viendra avec de toute façon. Ça permettra de passer de faire passer ces fantasmes, des fois un peu bizarres, beaucoup plus facilement. Par contre, ces gens-là vont s'exclure complètement de la société et du vrai relationnel. On n'aura jamais une relation comme on peut avoir avec quelqu'un. Et la marche arrière, à mon avis, va être très compliquée parce que je suis obligée de vous couper, Lionel, parce qu'on est en toute fin d'émission. Encore une fois, moi, je crois que c'est ce qu'il faut se dire sur les nouvelles technologies, c'est que c'est un plus qui nous est offert, attention de ne pas en faire quelque chose d'indispensable et qui remplacerait la vraie vie. Je crois que c'est peut-être ce que j'ai envie de dire pour conclure notre émission aujourd'hui, Flore Chérie. Oui, c'est le risque principal. C'est utilisons l'outil à bon escient et
faisons attention à conserver notre part d'humanité et ce qui fait qu'on est humain, oui. Voilà. Merci beaucoup, Flore Chérie, en tout cas. Merci, Lionel. Merci, Tania. Flore Chérie, on peut vous retrouver au Suite Paradise, dans le deuxième, dans ce bar à fantasmes, ou sur mysuitefantasy.com, ou sur union.fr. Donc, on ne vous quitte plus. Et puis, tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Nous serons lundi avec Stéphane Clerget. On va parler de l'hypersensibilité. Les enfants sont parfois hypersensibles. Les parents ne s'en rendent pas compte. Comment découvrir que votre enfant est peut-être hypersensible et comment l'aider, ce sera notre sujet de lundi.